Et bonjour, bonsoir tout le monde. On est de retour dans Little Nightmare 2. Et on a le dernier chapitre, c'était pas, on a vaincu The. Apparemment, il s'appelait The Thin Man. Et par contre, on a perdu 6. Et on a décidé de laisser de côté notre. Ah bah non, on peut même pas mettre d'autres chapeaux, non, c'est obligatoire. Enfin, bref. On va devoir continuer tout droit dans la tour de transmission où il y a, où on recevait l'étrange émission de télé hypnotisante. Et si on va là-bas, c'est peut-être pour aller trouver si c'est où est-ce qu'on est tombé, bordel! Cœur. J'imagine qu'on peut rien faire d'autre qu'aller vers la porte qui est ouverte. Qu'est-ce que... Ah, j'ai pas vu le symbole. Bon, j'imagine qu'on n'a pas le choix, messieurs, dames. C'est peut-être... Ah, la musique. Ça me rappelle le premier Little Nightmare. D'ailleurs, les escaliers me font penser au menu. On est passé. Je me pose la question, hein. De toute façon, on peut pas faire grand chose d'autre. Attendez, c'est quoi le piège? D'accord, ça devenait un petit peu bizarre. Je regarde les symboles en haut là, l'œil. Si on regarde bien, l'œil est tourné vers le haut, là vers le bas, là vers le milieu. Et je sais absolument pas où aller. Donc au lieu de prendre la porte pliante, on va prendre celle-là. C'était pas la bonne. Ah non, c'est peut-être l'œil ouvert qu'il faut prendre en fait. Ça devient un peu. Bizarre. C'est absolument pas quel est cet endroit où on est. C'est tout vraiment... Elle est flippante, je crois que je suis vraiment perdu. Je sais pas combien de temps cette vidéo va durer, mais... Fou! Voilà.
Ah, ça m'apprendra à pas regarder les solutions sur internet, la prochaine fois j'y penserai. Ah ben ça y est. Mais peut-être teinter celui-là du coup. Ah, changement de décor. Et pas d'ambiance. Je pense qu'on doit monter en haut de tout ça. Un vrai labyrinthe. Ah, il y avait une autre porte ici. Oula. Non, je crois pas. Je dirais qu'il y a des fois où j'ai l'impression qu'on se dépixelise quand on entre dans une porte. En plus, il y a la musique. Ah, faut suivre la musique, c'est ça? Ah, d'accord. Ah, j'espère que vous entendez la musique parce que... Qu'est-ce que c'est? Oh là là. Oh, bah zut, complètement zappé ça. En fait, vous utilisez la musique, mais il nous fallait ça. Ah bah d'accord, j'ai l'air bête maintenant. Je me demandais aussi pourquoi il y avait ça. Eh oui, faut suivre la musique. On arrive bientôt en haut. D'ailleurs, cette musique, ça me rappelle un peu celle que jouait Stis quand on l'a trouvée dans le premier chapitre, première vidéo. Qu'est-ce que c'est que ça? Stis? C'est toi? Qu'est-ce?
Bon, alors je crois que je vais faire une ânerie. Mais qui tente... Mais au point où j'en suis, qui tente rien n'a rien. Et apparemment, c'était ce qu'il fallait faire. À mon grand regret. Attends, c'est 6 qu'on affronte maintenant. Comment ça se fait? Putain, faut pas perdre de temps. Voilà. Oh zut. Ça va être limite. 6. Je ne sais pas on a fait ça, mais je crois qu'il y avait une bonne raison. Enfin, j'espère. Parce que si c'est juste... Juste pour le plaisir de casser les objets, là, par contre, il n'y a pas d'excuse. Ah, génial. On affronte la version maléfique de 6. Pitié, me faites pas tout recommencer. Quoi ça? Ah d'accord, fallait attendre qu'elle ouvre. Par contre, je doute qu'on puisse chercher des collectibles ici. Parce qu'ils se passent. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, 6? 6, tu pourras nous le dire quand même. En plus, les tableaux sont flippants. Bim, c'est ça. Ok, ça va être un jeu comme ça tout le temps. Oh putain, dites-moi que c'est fini. Parce que je comprends plus rien de ce qui se passe. Où est-ce qu'on est? Bon, honnêtement, je ne sais toujours pas pourquoi on fait ça. Eh ben, j'avoue que c'est un peu spécial. Alors, déjà que la télé était notre allié, mais la musique, je sais pas ce qu'elle nous a fait, mais... C'est quoi le rapport avec la boîte à musique? Ça transforme 6 en ça, c'est ça? 6 en ça... Putain, elle est bizarre la phrase que j'ai dit. Où est-ce... Qu'est-ce que c'est que ce bazar? On va faire ça à chaque fois. Pendant combien de temps? Oh, c'est pas vrai.
plus les murs sont bizarres. Oh là là, Six, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? On dirait l'espèce de gardien dans le premier jeu. On est où là? C'était pas la bonne chose à faire. Ah d'accord. Cette musique, elle est vraie. C'est peut-être ça qui rendait la télé hypnotisante. Il est temps de régler l'affaire. C'est bon, c'est réglé. Allez, on l'a détruit. Plus tôt sera le mieux. Et pourquoi les murs sont aussi organiques tout à coup? 6. 6, c'est redevenu normal. C'est pas... Oh, 6. Qu'est-ce que ce pas? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Mais si, tu peux nous attendre, s'il te plaît? Bah non, on n'attend pas. Même pas... Même pas savoir ce que c'est que ça. Et je suis tombé. J'aurais dû m'accrocher. Putain, j'ai l'impression de voir un film de Resident Evil. Non, vous avez pas vu la fin de certains jeux. Mais j'ai sauté. Et j'ai sauté. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça qui contrôlait tout ce monde? Cette tour était sous le contrôle de cette chose qui maintenant essaye de nous avoir. Mais attends, il s'est passé quoi là? C'est passé quoi? Putain, maintenant le sens du jeu Little Cauchemar 2 est logique, hein. Attends, c'est quoi ce délire? Faut que j'attende encore avant de sauter, c'est ça? Putain, c'est le parcours du combattant et du survivant là. Bon. Allez, monte, Mono. Mono, j'arrive plus à avancer. Oh non. 6. Tiens, 6, tiens, me lâche pas, s'il te plaît. Hein. Ah, merci d'être là. 6, tu peux me monter, s'il te plaît? Quoi?
Alors quoi? Mais... Si c'est pour la boîte à musique, c'était pour sauver. Six. Pourquoi t'as fait ça? Et pourquoi? Six. C'est avec dans le premier, t'étais déjà un peu cruel vu ce que t'as fait au petit mec. Mais là. Oh non, mais là, faut pas être ami avec toi, hein. C'est un cauchemar sur pattes. Et où est-ce qu'on est? J'imagine que j'ai pas le choix que d'avancer. On est où là? Putain, je vais vomir. Putain, s'il y a des jeunes qui regardent la vidéo, s'abstenir là. Hein. Mais je sais pas pourquoi je suis monté sur cette chaise, mais. J'ai l'impression d'être à l'abri. Je peux rien faire. Ah bah Mono, je crois que t'es dans un... Tu vas vivre un cauchemar éternel. Attends, on est où là? Je contrôle toujours rien. C'était pas le siège où se trouvait Finman, le truc qu'on a affronté et qui contrôlait la télé. C'est pour ça que tu m'as lâché, Six. Il nous aurait poursuivi encore jusqu'à ce qu'il attrape l'un d'entre nous. Parce qu'il lui fallait une victime. Un avatar. Quelqu'un en qui s'incarner. Il lui fallait un corps. Chaque fois qu'on tue un monstre, on prend sa place. Dire qu'on voulait échapper à ce cauchemar et finalement on l'est devenu. Merci beaucoup, Six. C'est vraiment triste ce qui t'arrive. Et ce qui arrivera au prochain qui te battra. Ainsi de suite. Maintenant, c'est devenu le symbole des yeux. Juste contrôler la caméra. Succès, loin en tête et interruption du signal. Bizarre, je sais pas ce que c'est ce succès. Et on est de retour à la télé de tout le début. Et évidemment, si elle est sortie.
Ah, tu peux être fier de toi. Dire qu'on t'a aidé à chaque fois. Dépouille corrompue, elle me fiche de 6. La version sombre d'elle. Ah, c'est marrant, ce jeu. On dirait qu'il ressemble... Ah non, mais c'est l'antre! C'est l'antre dans le premier. En fait, je me demande si on a bien fait de sauver 6 au final, étant donné ce qui va se passer. Ah, ça y est, le jeu est fini. On a terminé. Oh bon sang, j'ai adoré. Flippant, mais j'ai adoré. Je sais pas pour vous, mais j'ai adoré. Exactement comme le premier, en plus flippant, plus imprévisible. Là, ils ont fait fort. Hein. Franchement. D'ailleurs, au final, s'il y a une image de l'antre, 6 qui commence à être affamé, sans doute maléfique. Ouais, il n'y a aucun doute, c'est un préquel. C'est un préquel au premier. Elle va aller à l'antre, je ne sais pas comment et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. À moins qu'il y ait marqué, à moins que le langue voulait dire restaurant et que ça explique pourquoi elle voulait y aller parce qu'elle avait faim. Oh là là, mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochains let's play. Je me demande ce qu'ils feront dans le 3. Et en plus, je sais qu'il y a des bandes dessinées, il faudra peut-être que je les lise pour comprendre plus. Laissez les commentaires sur les réseaux sociaux et. Mais dites-moi ce que vous avez pensé de ce jeu. Franchement. Dommage, il nous a manqué un chapeau au total. Oh, pas grave, peut-être qu'il faudra trouver ça dans les trucs sur internet. Je me demande si tous les gens qui ont travaillé sur ce jeu ne sont pas sortis traumatisés. Je crois qu'ils ont dû voir pas mal de psy après. Par contre, cette sonorité, cette musique, je sais pas pourquoi ça a transformé si sans ça, mais... Faudra que vous me dites dans les commentaires en fait le fin de l'histoire parce que on a vu comment le Finman est apparu, mais comment il a tué, comment on a pris sa place, si c'est censé ce qu'il va faire, mais comment est-ce que tout ça est arrivé? On était coincé dans une télé en fait. Et si comment elle s'est retrouvée dedans? Ce monde est flippant. Et le pire c'est que ça pourrait aussi être le nôtre.